Aziz Horani, je suis directeur général adjoint en charge des fonctions support chez HPS. Et je vous remercie pour cette invitation. Aujourd'hui, la tendance mondiale sur les transactions de paiement non cash, c'est une tendance qui est haussière donc, sur toutes les régions du monde. Donc, nous voyons parfaitement, et toutes les études le démontrent, que les transactions non cash continuent à évoluer de manière assez forte, de manière bien sûr différenciée entre les différentes régions, mais même les pays développés continuent à connaître des taux de croissance importants de ces transactions non cash. Nous, en tant que fournisseurs de solutions de paiement électronique, quand on regarde dans le détail, nous voyons parfaitement que les moyens de paiement électronique, qui sont la carte, le account-to-account ou les autres moyens tels que le mobile payment, continuent aussi à évoluer de manière assez significative et assez importante, démontrant que c'est un marché assez important et assez intéressant pour l'avenir. En fait, au Maroc, les tendances continuent aussi à être dans la même tendance que celle qui est au niveau mondial. Donc, quand on voit un peu les chiffres du paiement et du nombre de transactions de paiement par carte, par exemple, donc c'est un chiffre qui continue à évoluer sur les dernières années de manière assez forte, avec une évolution à double chiffre. Donc, et je pense que la moyenne elle est autour de 15 à 16% par an. Mais ça reste assez faible par rapport à la capacité et par rapport à cette capacité au marché à pouvoir évoluer de manière beaucoup plus importante. Je pense que le cash reste un élément qui est très utilisé en dehors du Maroc, donc partout où nous avons des clients et là où nous sommes. Et d'ailleurs, nous sommes présents dans plus de 95 pays, donc c'est une tendance qui est aussi une tendance mondiale. Le cash reste le moyen de paiement le plus sûr et le plus utilisé. Toutefois, je pense qu'on peut faire évoluer ça à travers donc, l'offre de solutions qui encourage les moyens de paiement autres que le cash. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons tout ce qu'il faut au niveau d'HPS pour pouvoir accompagner nos clients à pouvoir offrir ces solutions et ces moyens pour leur permettre d'offrir des solutions innovantes, sécurisées et simples pour pouvoir offrir à leurs clients la capacité et la possibilité de faire des transactions de paiement électronique. Comme j'ai dit au début, donc la tendance c'est quelque chose, en fait, nous sommes dans une industrie assez avec une forte évolution. Et ceci dit, donc nous pensons que l'avenir reste encore prometteur. Et c'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui un programme de développement assez ambitieux. Donc nous envisageons à horizon 2027 de doubler à tripler le chiffre d'affaires de HPS. Et donc ceci démontre aussi cette appétence au marché à pouvoir accompagner ce développement et cette croissance. Au niveau mondial, je rappelle que HPS aujourd'hui, notre présence est plutôt mondiale, donc avec plus de 85% de notre chiffre d'affaires qui est fait en dehors du Maroc. Voilà, donc c'est une tendance que nous voulons mondiale et que nous avons une ambition à pouvoir croître notre présence et notre chiffre d'affaires, nos revenus au niveau mondial. Au Maroc, nous sommes là aussi, nous restons un acteur important et nous faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner ces tendances-là, ces évolutions de pouvoir adopter le paiement électronique comme étant un moyen de paiement. Et à travers notre technologie, à travers les relations que nous avons avec nos partenaires, nous faisons le nécessaire pour pouvoir développer davantage le marché du paiement au Maroc.